à Marseille pour ce deuxième jour de congrès du Parti communiste. Vous le savez, le congrès est en direct sur les réseaux, sur le site congrès2023.pcf.fr. Et nous faisons tous les jours deux émissions, une matinale à 11h et une matinale, et une soirée à 19h, une émission de soirée à 19h. Et sans plus attendre, on accueille nos premiers invités. L'un est le coordinateur de l'exécutif et aussi le grand coordinateur de ce congrès-là, c'est Igor Zamikeyi. Salut Igor. Bonjour Julia. Et le deuxième est Robin Salcroix, secrétaire départemental de la Loire-Atlantique, mais surtout tu as présidé la commission transparence et tu nous expliqueras un petit peu ce qu'est cette commission transparente pour les gens qui nous regardent. Igor, sans plus attendre, première question, on entame le deuxième jour de congrès. Quelle a été la teneur des débats d'hier et les enjeux du débat d'aujourd'hui? Je rappelle pour ceux qui nous regardent que nous débattons pendant deux jours du texte d'orientation du Parti communiste et que demain ce sera les statuts et lundi la direction. Donc hier et aujourd'hui, les enjeux. Hier, c'était principalement le débat général et le début de l'étude du texte d'orientation. Alors, débat général, évidemment, il était marqué par la situation politique. Fabien Roussel a proposé une motion au vote sur la bataille des retraites, qui a été d'ailleurs très largement adoptée. Et je crois que le débat, il a été marqué par la question des obstacles et aussi des potentiels de la période, puisqu'on voit bien qu'avec ce mouvement, on a une force considérable dans le monde du travail qui est capable de se lever pour transformer la société. Et en même temps, on sent une très grande colère et parfois un peu de résignation aussi face à ce rouleau compresseur du pouvoir qui tente d'avancer à marche forcée et d'imposer sa réforme des retraites. Donc on a débattu longuement de cette situation pour savoir quelle était la meilleure stratégie, comment s'appuyer sur cette force, sur ce monde du travail pour relever les défis et gagner cette bataille contre la réforme des retraites. Et aujourd'hui, alors, la teneur des débats, ça parlait beaucoup écologie ce matin. On a eu le maire de Marseille qui est venu nous faire un petit coucou. On vous mettra son intervention ce soir. Là, c'est en cours, c'est là, c'est à quelques mètres de nous. On parle de quoi au Parti communiste en ce moment? On parle de tous les grands sujets de société et on l'a vécu l'été dernier, effectivement, avec ces événements climatiques extrêmes, la sécheresse, les feux de forêt, ces canicules qui étaient avant tous les 10-20 ans et qui maintenant, chaque année, on voit des événements qui deviennent de plus en plus intenses. Et on a eu récemment le 6e rapport du GIEC qui est revenu sur ces événements. Et donc, on a débattu de cette situation, de l'anthropocène, du capitalocène, la façon dont l'homme, l'humanité interagit sur le climat et quelle politique publique on peut mettre en œuvre pour contrer ce changement climatique, réussir à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est un enjeu aussi qui est effectivement au cœur du débat des communistes. Alors, pour expliquer un peu aux gens qui nous regardent, parce que les processus de congrès, c'est toujours un peu compliqué. Là, il y a 800, combien Igor? Peut-être 700 750 délégués, disons environ 700 délégués avec droit de vote et une cinquantaine de membres du Conseil national hors délégation. Voilà, donc il y a 750 communistes qui débattent, mais avant cela, il y a eu tout le parti qui a été dans un processus démocratique. Il y a eu ce qu'on appelle les réunions de section, les congrès de section, les congrès fédéraux. Robin, toi, ça a été ta tâche, si j'ai bien compris, mais tu vas m'expliquer. Ta tâche, ça a été d'animer la transparence de ces débats et les discussions entre les communistes. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, exactement. J'avais la charge avec ma camarade Evelyne Ternant d'animer justement ce que l'on appelle la commission de transparence des débats. Du coup, ce collectif de communistes qui veillait justement à la bonne tenue de nos échanges, au respect évidemment de nos statuts, mais aussi qui travaillait justement à l'analyse justement des contributions, des amendements qui pouvaient remonter sur nos textes d'orientation, avec l'idée justement de susciter le maximum de débats et d'échanges sur l'ensemble des sujets de société et des problématiques qui sont face à nous aujourd'hui, que ce soit sur les thématiques du lien du Parti communiste français à l'entreprise, les sujets de l'international ou de la paix et les questions par exemple aussi d'écologie, de santé et bien d'autres encore. Donc un travail éminemment collectif, passionnant et qui a montré justement cette volonté et ce dynamisme du Parti communiste qui est rassemblé justement pour traiter l'ensemble de ces sujets d'avenir. J'ai un peu une question pour toutes les deux, mais je te la pose à toi, Robin. C'est étonnant, une organisation aussi démocratique. Je dis ça en rigolant parce que bon, c'est un petit clin d'œil, mais
le Parti communiste a cette spécificité que la démocratie interne est très vivante. Et c'est vraiment une de ses forces. Tout à fait. Et c'est vrai qu'au Parti communiste français, le renouveau démocratique que nous préconisons pour le pays, nous l'appliquons à nous-mêmes. Et ce sont bien nos 40 000 adhérents qui font vivre justement ces orientations, ce débat fraternel où les avis divers peuvent s'exprimer, toujours dans le respect et dans le dialogue. C'est ce que l'on a vu durant tout ce processus de congrès, comme tu le rappelais, qui part du local jusqu'au national, dans nos cellules de quartier, d'entreprise, dans nos sections, dans les villes et villages du territoire, jusqu'à aujourd'hui, ce moment national de congrès à Marseille. Igor ? Oui, il faut dire que ce congrès, en plus, il était très attendu parce que malheureusement, comme toute la population française, on a affronté les années de Covid. On a dû d'ailleurs décaler notre congrès. Le dernier congrès, c'était en 2018, donc ça fait presque 5 ans. Puisqu'il était en novembre 2018, ça fait presque 5 ans qu'on n'avait pas eu ce grand moment démocratique. Et nous, on tient vraiment à ce que l'organisation, toutes les fédérations puissent avoir ce moment qui permet de débattre de toutes les questions, que vraiment la vie des communistes se construise collectivement à partir du débat des fédérations, des sections. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de réussir dans ce congrès avec très forte dynamique de rassemblement autour des textes qui sont adoptés et parfois des débats vifs sur quelques enjeux. Mais c'est ce qui fait aussi la force des décisions qu'on prendra derrière. C'est que ces débats ont été menés et tranchés. C'est la force de la démocratie, du local au national. Garde la parole, Igor. Question, demain, on parle des statuts. Là aussi, c'est un peu compliqué pour les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que sont les statuts? Et lundi, on renouvelle la direction. Mais alors, c'est quoi les enjeux? On sait qu'il y a eu un vote à 82% des camarades il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu ça pour les gens qui ne seraient pas des connaisseurs du Parti communiste? Les enjeux, ils sont majeurs parce que, comme tout collectif humain, on a besoin de règles collectives, de s'organiser. Il n'y a pas de projet politique qui peut progresser sans une organisation qui permet de le faire progresser dans la société. Et donc, le but de la discussion sur ces statuts, sur nos règles collectives, c'est vraiment de trouver les meilleures méthodes d'organisation, le fonctionnement le plus démocratique, le fonctionnement le plus efficace par rapport aussi aux évolutions de la société. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de réviser ces statuts-là. La dernière fois qu'on avait échangé sur ces statuts, c'était il y a 10 ans. Et donc, on a remis sur la table des sujets essentiels. La proximité, comment on organise le travail militant dans la proximité. La question de la lutte contre les violences faites aux femmes, contre les violences sexistes et sexuelles. Comment on se dote de dispositifs qui permettent d'être efficaces réellement sur cet enjeu-là. Et plein d'autres questions qui font partie de nos règles collectives. Et là aussi, c'est la force d'une organisation d'être capable de s'interroger et de décider démocratiquement de son mode d'organisation. Alors, j'ai une dernière question pour vous deux qui sort un peu des questions que je vous ai posées. Vous êtes deux jeunes dirigeants du Parti communiste. Igor, je crois que tu as 37 ans, c'est ça ? C'est ça. Robin, je ne sais pas quel âge tu as, 32. Ça dit déjà beaucoup de la jeunesse dans la direction du parti, mais pourquoi être un dirigeant communiste quand on a 30 ans ? Je pense que ce renouvellement auquel on assiste dans nos territoires, que ce soit au niveau de nos directions de section ou encore fédérales, c'est aussi le signe justement du renforcement. On évoquait hier les plus de 1800 nouvelles adhésions depuis le début de l'année. C'est le signe d'un parti qui se renforce, qui est au cœur des luttes de la société, qui est évidemment au cœur de la lutte contre la réforme des retraites, dans un dialogue respectueux, construit avec les organisations syndicales qui ont un front uni et qui d'ailleurs nous oblige. Et c'est le signe d'une organisation qui vit plutôt bien, qui se rajeunit, qui se renouvelle, qui se féminise aussi. Et c'est aussi le cadre et un des enjeux du débat de notre congrès, c'est comment on permet justement à cette jeune génération de trouver toute sa place dans notre organisation, de s'y épanouir, de se construire et évidemment aussi de grandir en tant que femme et homme et en tant que communiste. Igor, toi qui es coordinateur de l'exécutif. Si tu veux, ma réponse est assez simple. Nos générations, et encore plus, je crois, les générations qui suivent, ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, 25 ans, c'est la génération de l'accélération de toutes les crises. Nous, on est entrés en militantisme avec l'accélération de la crise sociale, de la crise écologique, de la crise démocratique. Et on a chevillé au corps cette idée que cet état du monde est insupportable. Et que le communisme que l'on porte, il vise à finalement faire que le plus grand nombre
puissent comprendre le fonctionnement de cette société et se donner les moyens de la transformer. Et ça, c'est le cœur de notre engagement. C'est pour ça que nous, jeunes générations, et je dis encore plus les générations qui suivent aujourd'hui, s'engagent au Parti communiste. C'est parce qu'ils ont la conviction que ce monde ne tourne pas rond, que ce système capitaliste nous emmène dans le mur et que des solutions existent pour construire une autre société plus démocratique, plus sociale, plus écologique. Et on va amplifier ce mouvement-là. Merci à vous deux. Retournez travailler maintenant. On était ravis de vous accueillir et bon congrès. Merci, merci Julia. Pendant ce congrès, je l'ai dit hier, il y a aussi beaucoup de soutiens internationaux. On a reçu un soutien qui nous a particulièrement touchés. C'est celui du secrétaire général du Sinn Féin. Le Sinn Féin, c'est un parti de gauche en Irlande qui est aux portes du pouvoir. Et je vous propose de découvrir le message qu'il a tenu à laisser aux congressistes. Chers amis et camarades. My name is Declan Kearney, the National Chairperson of Sinn Féin here in Ireland. I'm honoured to share our party's message with your 39th Congress of the French Communist Party in Marseille. This Congress meets at a time of great challenges for those of us committed to change in France and all across the globe. The invasion of Ukraine, the global energy crisis, the cost of living pressures confronting workers and families, and the climate emergency all represent a perfect storm of international challenges. In the Middle East, our Palestinian brothers and sisters' human, national, and democratic rights are being denied, and international law is being violated in plain sight on a daily basis. And yet the international community refuses to enforce international law which is being broken. The need for strengthening solidarity between left and progressive forces across Europe and across the planet has never been more important. The priorities of equality, social justice, peace, security and shared prosperity must be continuously worked for and defended. But by standing together and building international relationships, a brighter, equal and peaceful future can be achieved. Our two parties share deep and historic connections. The founders of Irish republicanism took their direct inspiration from the French Revolution. The timeless principles of liberté, égalité, fraternité remain integral to modern-day Irish republicanism. During the dark days of the blanket and no-wash protests and the 1981 hunger strikes by republican prisoners of war, your party's solidarity in France was essential. Demonstrations and protests supported by and led by the French Communist Party during that time helped to focus the international community's attention on Britain's attempt to criminalise the national liberation struggle in Ireland. And Sinn Féin will be forever grateful for the solidarity of French communists, socialists, trade unionists and Democrats at that time. As your Congress meets, Democrats in Ireland will mark the 25th anniversary of the Good Friday Agreement. Your fraternal solidarity helped us pave the way towards achieving that historic peace settlement. Now in Ireland, a new era of historic change is happening. The prospect of Irish unity is now firmly on the political horizon. Progressives and Democrats have an unprecedented opportunity to successfully complete the National Democratic Project in Ireland and to achieve a new constitutional settlement which serves the interests of the many. Comrades, we look towards continued French solidarity as new political opportunities are navigated in the coming period. On behalf of Sinn Féin, we wish you, as agents of change, every success in the mission to achieve a republic of equals. In the spirit of a shared vision of true democracy, equality and social transformation for all of our citizens, Sinn Féin extends much solidarity to your 39th Congress. Vous le savez, au Parti communiste, il y a beaucoup de militants, on le disait avec Igor et Robin, mais il y a aussi beaucoup d'élus, parce que c'est une tradition au Parti communiste d'occuper des postes d'élus pour transformer la vie des gens, pour aider les gens. Et on a des parlementaires, et on en accueille un là, on est ravis. Il est député de l'Allier, de ce très beau département qui est l'Allier. Salut Yannick. Est-ce que, j'espère que ton micro marche. Ouais. Ça va. Ouais, voilà, c'est, ça marche. C'est Igor qui l'avait éteint. En fait. Voilà, c'est ça. Igor ne voulait pas que tu parles. Tu es ici comme d'autres parlementaires, sénateurs et députés. Toi, en tant que parlementaire, c'est quoi tes attentes de ce congrès du Parti communiste français ? J'ai deux principales attentes. La première, c'est qu'il rassemble les communistes pour être un vrai point d'appui dans les luttes aujourd'hui. On le voit notamment sur la question des retraites. Et on a besoin d'avoir un Parti communiste rassemblé et très offensif
pour mener la bataille et relayer cette bataille d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Et ma deuxième attente, c'est qu'on a besoin d'un parti communiste qui porte l'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que la gauche est dans certains débats, elle se pose des questions, elle se cherche, et on a besoin de porter l'espoir. C'est la seule façon de contester le pouvoir actuel. C'est en portant l'espoir, en redonnant de l'espoir, en montrant qu'une autre construction est possible, une autre construction politique est possible. Et c'est ce que j'attends de ce congrès. La question stratégique de la... Hier, Fabien disait, on est là pour gouverner. Yann Brossat aussi a pris la parole en ce sens-là. On voit qu'il y a un plafond de verre de la gauche. C'est quelque chose dont on débat lors de ce congrès. Toi, tu t'inscris dans cette vision d'une gauche rassemblée largement dans cette conquête de prise du pouvoir. Ah mais totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne change pas la société sans prendre le pouvoir, donc... La question du pouvoir est quelque chose qui doit nous animer. Et bien évidemment qu'il faut le faire très largement. Parce que ça permet de rassembler très largement les citoyens qui pensent des choses très diverses. Et donc oui, je pense qu'on a besoin, à gauche, de se parler franchement sur nos perspectives. Si c'est dans un mouvement de contestation, mais qui restera qu'un mouvement de contestation, ça a peu de chances de changer la vie des gens. Et si on veut changer la vie des gens, il faut impérativement prendre le pouvoir. Et c'est une ambition que l'on doit porter au sein de la gauche. Aujourd'hui, le Parti communiste, avec le congrès tel qu'il est en train de se dérouler, est une force de stabilité à gauche. Et à partir de ce congrès rassembleur, on peut élargir et on peut construire à gauche avec l'ensemble des forces qui sont très diverses, très diverses. Donc toi, tu as été pendant des heures et des heures, des jours au cœur du débat sur la réforme des retraites. La semaine dernière, vous êtes allé à l'Élysée en délégation de parlementaires communistes déposer un courrier demandant le retrait de la loi. On est en pleine crise politique. Macron est quand même très fragilisé. Il y a la perspective du RIP. Toi, quel est ton sentiment sur les suites de ce conflit social ? Parce que rien n'est fini. Il y a une crise politique et on est même sur une crise de régime. Et on est même sur une crise de nos institutions. On sent bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Parlement, parfois, n'est pas tout à fait représentatif de ce que les gens portent dans la rue. Moi, je pense qu'on peut gagner sur cette question des retraites. Et je pense qu'il faut qu'on obtienne le RIP. Et je pense qu'on a de très belles batailles à mener pour faire vaciller ce projet et pour que ce projet soit retiré. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République n'a pas le choix. Moi, je suis un militant et un élu qui suis partisan de l'apaisement social. Je ne pense pas que dans le désordre, c'est souvent les petites gens qui souffrent le plus. Le président de la République porte une responsabilité sur le désordre actuel dans le pays. Il doit faire preuve de responsabilité et retirer son projet, au risque de créer encore plus de désordre, ce qui n'est pas bon pour nos institutions, pour notre démocratie. Donc moi, je reste malgré tout optimiste et positif sur cette bataille que l'on peut gagner, et le RIP serait un point d'appui très important pour la convergence des luttes. Alors, je vais te poser une question un peu provoque. C'est quoi le plus d'un député communiste à gauche actuellement, à ton avis, Yannick ? Ah, y a beaucoup de plus. Ah, je me doute. Il y a beaucoup de plus. Non, très sincèrement, moi, je suis très fier d'appartenir à ce groupe. Aujourd'hui, les députés communistes ont un comportement exemplaire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, et je pense que, pour changer la société, il faut élever les consciences. Et pour élever les consciences, il faut être audible. Donc je ne pense pas que c'est dans le bazar qu'on élève les consciences. Et le groupe communiste aujourd'hui porte des propos et reste sur le fond, conteste la politique du gouvernement sur le fond, porte des propositions sur le fond, avec un comportement qui est respectueux de nos institutions, puisque c'est le mandat que nous avons reçu. Moi, très sincèrement, dans l'Allier, mes électeurs me disent « Mais représentez-nous correctement. On ne vous demande pas de crier. On vous demande de porter des propositions et de porter ce que l'on vous dit. » Et donc je pense que la plus-value des communistes, c'est celle-là. C'est-à-dire un comportement exemplaire, offensif, et qui porte réellement la voix des citoyens. Ma dernière question, le Parti communiste dans l'Allier, c'est quelque chose quand même. C'est parce que l'Allier, c'est un département rural, avec un parti qui est très implanté. Alors je sais qu'à chaque Conseil national, tu rappelles qu'en termes de pourcentage d'adhésion, d'adhérents en fonction de la population, vous seriez la première fédération. J'ai cru comprendre que c'était ça le calcul. Mais est-ce que tu peux, Yannick, donner à voir un petit peu ce qu'un parti communiste dans un monde rural, ça veut dire pour les gens ? Non, mais il faut soumettre à certaines évidences.
la fédération d'animé. On en parlera au et nord. Et la fédération la plus importante, puisque nous avons un adhérent pour 500 habitants. Oui, c'est vrai que c'est conséquent. Voilà. C'est vrai que c'est conséquent. Donc c'est quand même important. Non, mais je pense que dans l'Allier, on a un parti communiste qui est très implanté. D'abord, il y a une histoire, hein, notamment avec les mouvements paysans qu'il y a eu au siècle dernier. Mais c'est du communisme rural. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une forte contestation et à la fois c'est un communisme de bon sens. C'est-à-dire que quand je dis qu'on est des communistes modérés, c'est-à-dire que les gens avancent sûrement, sans faire d'esclandre, sans faire de l'esbrouf, mais on avance dans notre engagement, on est au contact des gens. Moi, j'ai encore des militants qui font le tour de certaines maisons pour aider les gens à remplir leurs documents. Il y a beaucoup de solidarité en secteur rural, mais même dans notre petite ville. Donc ce communisme rural, c'est les pieds sur terre, quoi. Et d'ailleurs, je vais le dire, mais c'est aussi pour ça qu'on se retrouve beaucoup dans ce que porte notre secrétaire national et dans cette manière de faire de la politique qui est à la fois beaucoup portée sur le bon sens. Voilà, on a les pieds sur terre. On sait d'où on part, on sait où on veut aller et on essaye d'y aller de façon peut-être mesurée parfois, mais sûrement. On est plus des tracteurs que des Formule 1. Voilà. Oui, mais les tracteurs, c'est résistant. Le mot de la fin, tu l'auras donné. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. On va continuer ce congrès aujourd'hui, demain et lundi. Nous, on se retrouve à 19h pour l'émission du congrès. À tout à l'heure.